Salut, c'est Warwick de Wakanda Gaming, bienvenue à nouveau sur X4 pour ce 10e épisode. Nous allons avoir pas mal de choses à voir pour continuer tout en ayant, comment dire, j'ai joué entre temps, ça a pas mal stagné, j'ai toujours continué, c'est toujours cette phase de développement qui prend du temps. Donc c'est encore une phase assez lente, mais nous on va continuer à s'occuper pour cette vidéo avec des missions annexes. Donc on va passer en jeu. Voilà. Les trucs en face, c'est pas des bugs, hein. C'est un vaisseau qui est en train de se faire construire. Alors on va essayer de commencer par faire un peu le point sur la situation actuelle de mon empire immense. J'ai toujours que deux stations, j'en ai pas construit d'autres entre-temps. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence à, comment dire, à tourner au niveau des sous. Donc c'est bien. Je comprends pas trop ça, c'est. Ah, ça doit être la somme totale de ce qu'il y a sur la station. Donc à gauche, là, ce qu'il y a sur la station. Et à droite, mes sous plus si je prenais tout. Si je... Voilà. Donc on va laisser... Enfin, accepter l'estimation. Ah, les gars. Pour la construction, il n'y a pas forcément besoin de plus que ça. Donc, oui, j'ai repris un peu tout. Donc voilà, ça rentre. On peut le surveiller là-dedans. Par exemple, quand vous allez dans le journal de bord, ici dans l'entretien, si je tape WD01, je recherche. Voilà. Donc on voit toutes les transactions qui concernent ma station. Et on voit des chiffres quand même relativement intéressants. Ça monte, c'est assez variable, mais c'est assez intéressant. Une chose, je suis pas trop sûr, mais j'ai l'impression qu'il exploite les vaisseaux de minage pour vraiment aller récolter. Mais alors moi, ce que j'espérais, alors c'est là où j'ai un petit peu de mal. Alors, si je regarde, c'est qu'ils sont équipés pour la glace, parce qu'il a besoin de glace, lui. Donc là, il y a bien la glace, a priori. Si je prends un autre, l'impression qu'il y a bien la glace quand même. Si je prends des petits, parce que j'ai l'impression d'avoir vu un petit qui vendait autre chose. Bon, bon, il exploite, ça tourne. Si je regarde la même chose avec la deuxième station, vous voyez, pareil, ça tourne, ça marche pas mal. Alors là, je l'ai un petit peu ralenti, la pauvre, parce que. Voyez, je l'ai mis. Un gros vaisseau de transport. Je lui ai associé pour l'instant quasiment toute ma flotte. Pourquoi? Parce que j'ai une mission en cours ici vis-à-vis du ministère des Finances qui demande beaucoup de composants de tourelles. Et n'ayant. Nous avons été touchés. C'est lequel? Alors, j'hésite plus maintenant. Voyez, à mettre le jeu en pause. Pour pouvoir gérer ça. Alors normalement lui, est-ce que je l'ai enlevé ou je l'ai mis? Je l'ai laissé. Oui, c'est ça. Si, vous voyez le T05, il arrête pas de se faire attaquer. Ça m'agace. J'avais construit. Ah ouais, mais c'est des. Il est où? Oh putain. Ah mais ils sont vachement implantés là. J'avais pas surveillé moi là-bas, moi j'ai parti. Ah ouais. Et tu vas où toi? Il est parti faire quoi lui? Centre. Ouais, faut pas que tu traînes là. Hein. C'est que ouais, il a une petite, ma petite escorte, mais toujours pareil quoi. C'est que l'escorte elle suit pas.
Ah, a priori, il a dû arriver là. Là, il est censé se barrer. Bah, il fuit, hein. C'est l'ordre que j'ai mis par défaut, hein. Alors ça pue un peu. Ouais, c'est que là-bas, ça devient... C'est un coton, mais je suis pas équipé pour me battre avec contre autant de trucs là. Avec l'ordinateur... son boulot quoi. Ouh, le 5, je crois qu'on va le perdre. Merde. On était déjà en fuite, hein. Enfin, bête. On commence mal. Deux. C'est l'équipage, je voulais voir. Ah, l'équipage est pas mauvais, quoi. Oh! Est-ce que je pourrais recharger? Pourquoi il fuit là-bas? Il y a du monde. Putain, il prend le bordel là, le... Il se casse tout de suite, quoi. Je vais tenter de le sauver quand même. Je reviens. Voilà, on est de retour. Bon, je m'épose tout de suite. On va tout de suite voir où est le 5. Ah ouais. Là, ils ont tout massacré en moins de 2, quoi. Ce que je vais tenter de faire, ce que vous avez vu en sortie, il a attendu. Il a attendu les autres vaisseaux. Voilà, donc le 5 qui se retrouve là. Moi, je récupère mon escorte. On va voir si lui, ça va mieux. Sinon, donc on avait vu la première station, la deuxième station, les deux rapportent des sous. Le transporteur de la deuxième station, je l'ai exploité donc, pour faire une mission. Ouais, c'est assez long. Il n'y a que des photopiles sur lui, donc il doit être en train d'aller rechercher la ressource. Acheter composants tourelles. Après, c'est vendre composants tourelles. Vendre composants tourelles. Ah oui, j'ai fait en deux fois la vente parce qu'il n'y avait plus. Au moment où je l'ai fait, j'ai lancé la transaction. Il acceptait pas de tout prendre. Alors, attends, on va surveiller notre transporteur là. Parce que s'il est tout seul, il devrait pas attendre d'escorte. Vous n'avez aucune chance. Quand il est abîmé lui. Il est dans les ordres, il en est où? Parce qu'il y en a pas mal. De drone. Par contre, il s'est toujours pas réparé quoi. Attends. Quand tu passes à côté de ça. Et à réparer, on va le mettre
J'avais un souci, c'est que j'en ai beaucoup là, en temps de réparation. Et je crois que c'est transporteur 3 qui était parti. Ah, mais y a plus rien à faire. Il doit voir ce qu'il faut alors. Ils en sont où alors, eux? Ok, ils ont fini. Bon, je vais pouvoir les renvoyer. Donc, là, j'ai le gros qui est parti chercher normalement. On va enlever un petit peu tout ça. On va prendre. Donc, je continue avec eux. Tranquillement à faire du commerce à la mano le temps que. Alors là, normalement, lui il a fini. Donc le 3 doit aller là. Ah oui, donc lui il va aller. Ah, il est déjà amarré. Ok, donc dans l'idée, c'est que vous voyez, lui il est quand même bien. Ce niveau de. Avant de le vendre, je voudrais l'envoyer travailler ailleurs pour moi. Tu vas travailler sur celui qui est le 0. Je l'assigne en tant que commandant dessus. Normalement, ils sont au même endroit. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour réussir. Vous croyez que Split est frayé? Donc lui, maintenant, il a plus personne. Si je regarde le 1, il n'y a plus de pilote. Le 1, donc il a récupéré. Voilà ça. Lui, je pourrais lui demander de retourner travailler ailleurs pour moi. Donc, tu vas sur le 3. Tu y vas en tant que commandant. Ça, je pense, c'est le petit signe parce que j'ai remis un commandant dessus. Ensuite, ici au niveau de l'équipage, l'équipage est bon aussi, est très bon même. Donc lui, on va pas le perdre. Travailler ailleurs pour moi. Donc tu vas aller travailler sur lui. Équipe de service. Voilà. Il y a dans l'une des vidéos que je regardais là, du gars que vous avez indiqué la dernière fois, le Rugu de Rugu Gamer. Il disait que c'était intéressant d'utiliser par exemple un gros transporteur, tout ça, ces vaisseaux qui ont beaucoup d'équipage, pour donc je suppose le faire assez vite, pour que ça soit comme des vaisseaux d'entraînement. C'est une réserve d'équipage qu'on peut assigner ailleurs au besoin. Alors là, on en est où? Capacité, je suis à fond. Je suis à fond. J'ai mis aucun soldat du coup. 6 sur 6. Sur le 3. Allez, lui il peut en avoir 8. D'où le fait que j'en ai deux autres. Bon, après, c'est pas très grave. Il a gagné un point là. Hein. Donc lui, on va pouvoir le vendre. L'idée, c'est ça. Je vais pas garder ce vaisseau. Voilà, le 3. Dégagez. Split, passez ceci.
on renomme, il remplace le 3. Alors pourquoi j'avais fait ça? Donc vous voyez, c'est tout que des pis sentinelles, dans le sens où ces pis sentinelles sont, on va dire, sont une capacité de transport assez importante qui m'intéresse. Ça pète. Alors, nous, on va les envoyer faire du commerce en espérant qu'ils coincent pas là-haut. Le 5, il est réparé. Il est parti sur le grand échange, mais je pense qu'il a... Il a encore de quoi faire. Là, on en a vu un. Ah, les split. Split, c'est... Normalement, ça fait partie des nouvelles... comment dire... La nouvelle race qui avait l'extension Vendetta. Demande la permission de s'amarrer. Après, mis à part ça... Je ne sais pas plus... Alors... Pour moi, jusqu'à présent, le fait d'utiliser des petits vaisseaux de transport comme ça, c'est quand même cette capacité à rapidement fournir des ressources. Pour une construction, il manque quelque chose dans un endroit, ça traîne pas quand même. C'est qu'il y a de... Donc je trouve ça quand même pratique, parce que vous voyez, le gros vaisseau de transport... Il est un peu relou parce que il est long quoi. Il est long à faire son trajet. On débloque pas la situation rapidement quoi. Surtout si c'est pour une petite quantité. Bon là par contre j'ai une mission où c'est gros donc ça serait intéressant que j'ai un vaisseau de transport libre pour ça assez vite. Un gros comme ça. Ensuite, donc lui quand il aura fini cette mission là, je récupère mes vaisseaux de combat et comme ça on pourra repartir faire autre chose. Dernière chose, donc là vous voyez c'est une mission donc ministère des finances. Pourquoi est-ce que je continue à monter ma faction avec eux? Où est-ce qu'on voit ces, là, ces factions? Vous voyez là je suis bien. Hein. Il y a du moins 30. Ah, est-ce qu'on peut aller jusqu'à plus 30? Ça serait logique. Il me manquerait ça, mais ça je prends pas pour l'instant, j'ai besoin de faire des vaisseaux. Je vais fermer vos comptes. Je suis sur le combat. Mystère donc des finances, vous voyez. Là j'aurais bien atteint assez facilement le 20, d'où le fait que je fais des missions avec eux. Pacte de la pellicule verte, alors je suis. Je pars pour le négatif, hein. Dès que je les vois, je combats de toute façon. Donc lui je suis pas mal. Paranil. Antigone ça monte doucement. Le Pontifex c'est pas trop mal aussi. Alors où c'est pas évident, c'est que bah ils sont en opposition avec les autres. Donc moi je suis un petit peu entre les deux, j'aide ni l'un ni l'autre. Je suis donc toujours sur mon Minotaur. Voilà, sur mon Minotaur. En combat. Donc je suis pas mal là en stand-by pour finir cette mission là. Parce que j'ai pas envie d'en prendre une autre tant que celle-ci n'est pas terminée. Ça risquerait de me poser problème. Je pourrais pas la perdre. Parce que j'ai fait le coup, je sais plus si on avait vu en vidéo ou pas la dernière fois, mais j'ai déjà eu le coup. Hein. Donc ouais, donc là était l'Adien. Et là il y a des trucs un peu à part. Ouais, c'est le genre de choses que je prends. Du coup je prends tous mes petits vaisseaux de transport pour faire ça. Engager soldat. Ah, donc, ouais. Et sinon, ce qu'on peut essayer de faire, remarque, pendant qu'il fait ça, parce que je vois que les autres missions sont pas évidentes. Donc vous voyez ce que j'essaye de faire, mais c'est long. Par exemple là, si je veux recruter le soldat, engager le soldat, on voit les stats qu'il faut, donc faut se balader de station en station pour trouver. Ou on peut regarder dans notre personnel. On peut aussi retourner dans notre personnel. Je sais pas comment ça marcherait, mais il faut que je le livre, mine doc, qui
typiquement, t'as à dire. Parce que genre, je le prenais avec moi, peut-être. Et puis bah là, c'est pas compliqué. Alors, ça par contre, je conseille quand on la prend. Alors là, il y a un temps limite, donc c'est pas le choix. Mais finalement, celle-là, apparemment, faut le prendre dès le début. Parce que ce qu'il demande à ce moment-là, quand on accepte, généralement, c'est possible encore de le faire. Je me suis retrouvé déjà avec des missions comme ça où j'arrivais pas à livrer les marchandises qu'ils en voulaient pas. Alors là, ils sont bien développés, c'est assez pratique parce que du coup, il y a le quai de marchandises et le chantier naval. Donc j'ai pu vendre à chaque fois l'un des deux mes ressources. Donc ça bougeait bien. Pour ça, pas de soucis. Qu'est-ce qu'il nous reste comme vaisseau? Donc ça, c'est mon escorte. Ça, c'est moi. Donc l'escorte, ce sont les derniers que j'ai essayé de prendre des Ares. Fais voir, est-ce que je pourrais te demander de... Ça m'arrive. Parce que si je fais comme ça... Ce qui est dommage, c'est que quand je me mets en vue externe, je les vois pas. Ça coûtait assez cher, cela. Quand même, mais... pas mal, parce qu'après... Mince. Un autre objectif. Allez. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour réussir. Vous essayez de faire blague? Ouais, qui m'a des photopines, ça ok. J'aimerais bien acheter. Ah voilà. Alors pas chez lui hein, mais j'aimerais bien acheter un vaisseau de cette taille là. Alors peut-être plus niveau combat Argon était quand même pas mal. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Alors on a ce qu'il faut au niveau licence. Voilà. Destroyer. Alors si je prends. Attends. 93, 138. Allez. Le zoom il veut pas. 93, 138, si je prends était là bien. Oh! Ah oui, ça c'est au niveau défensif. J'ai pas regardé les dommages. Dommages 1700, 1400. Ah, si on regarde l'autre. Ouais, ils font beaucoup plus mal. Alors, et Teladien. Alors, ça c'est ce que j'ai remarqué. Hein. Teladien, ministère des Finances, c'est la même race. Ils sont très capacité de stockage, donc c'est pour tout ce qui est commerce. Et ils ont pas mal tout ce qui est défensif. Argon, c'est plus offensif. Donc, ah, et vous voyez, il n'y a pas d'outil de comparaison. Donc voilà, celle-là où c'est pas évident, faut y aller à mano. Alors, des fois, je m'amusais à prendre une capture d'écran de ça. Je regardais, je faisais un comparatif à côté. Après, il y a peut-être des sites, j'ai pas recherché. Il y avait des sites. Enfin, je peut-être que je regarde un peu plus ça pour savoir s'il y en a qui ont référencé tout ça pour comment dire avoir tout ce système de configuration, mais en dehors du jeu, un peu comme dans Elite Dangerous. Ça pourrait être intéressant. Je vois qu'il a 4 points d'amarrage. Donc sur ça, 18 000, 18 000 de ce côté-là, ça serait pas mal que j'en ai un de chaque. Ah, 22 000, lui. Où c'est intéressant, c'est que celui-ci pourrait servir un peu de tank. C'est lui qui encaisserait les coups, qui ferait plus de dommages, il faudrait un peu de tout. Mais voilà, il me faudrait des destroyers quoi. Destroyer. Parce que là, c'est la cata quoi. Ici. Oh, c'est quoi? Ah non, c'est un code fin de défense. Ah, c'est chaud. Alors, autant en destroyer un seul, je m'en sors. On aurait pu en faire un, mais s'ils restent tous les deux ensemble. Je me vois pas vous montrer. Alors c'est un peu long, hein. C'est un peu.
C'est très long. Je pense pas avoir le temps cet après-midi, parce que j'ai encore quelque chose à faire. Dans le sens où on sauvegarde régulièrement, donc on va recharger plus d'une fois. C'est une attaque souvent qui est par le haut et par l'arrière, ce qu'on met à l'arrière, on dégomme les petites tourelles de défense. Après, généralement, je dégomme les réacteurs pour les mobiliser, ça devient plus simple. Et puis, bah, selon comment ça se passe, j'ai déjà eu, ça a été très vite parce que du coup, j'étais pas tout seul dessus. Mais généralement, je fais comme ça, je fais les réacteurs et puis après, bah, je vise les tourelles. Il y a des touches au clavier qui permettent de, comment dire, de cycler toutes les petits modules sur le vaisseau. Mais là c'est chaud, hein. Là, ce point-là est pieux. Ah, on en est où? On a livré quoi là? Il en manque un. Composant de tourelle. Non, mais bon, normalement, on va annuler la mission, ça me ferait bien chier. Bien les composants de tourelle. Et il arrive. Bon. A priori, il va pas trop long. Alors, ça j'aime pas trop saboter. Saboter. Saboter, va falloir des mines. Est-ce que je me prends un petit vaisseau pour le faire? Dégagez. Je vais voir. Si je prends des mines. C'est bien lui la marée. Consommable. J'ai fini. Ouais, je vais vous montrer. Ils ont une gueule assez sympa quand même. Hein. Assez fin. C'est ceux du Pontifex, de mémoire, qui j'ai acheté ça. Je vais peut-être le prendre du coup, au niveau pilotage. Bonjour. On va voir ce que ça donne. Quoi, nous, on va sauvegarder. Alors, ce coup... comme ça. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Transporteur toute distance. C. Un petit peu ce que ça donne. Arrêtez votre attaque immédiatement. Vous allez maintenant en subir les conséquences. Ça, c'est bugué des fois. La sécurité du secteur. Canal de communication ouvert. Je rends compte d'une attaque contre cette station. Reçu. Le casier judiciaire a été mis à jour. Assistant imitateur Kiff. Ouais, ça. Allez, coup. Alligator. Minéral. Petit criminel comme ça, des fois, c'est bugué. Alors, je sais pas trop...
pourquoi il m'enlève finalement, parce que il m'indique ça comme cible, mais... Vous entrez dans le système. Grand échange. On récupérera le point de réputation. Grand échange. 1. Pour les petites missions comme ça, je préfère prendre des petits vaisseaux légers. Je pense que c'est plus simple à manœuvrer. Non, c'est plus simple à manœuvrer, c'est pas, je pense. Hein. Pour du sabotage comme ça, c'est plus rapide. Hey. Puis après un jeu. J'ai fait une mission comme ça pour le ministère des Finances. C'était eux. Je crois, enfin, je tue un certain nombre de xénons. C'était chiant. J'ai du mal à les trouver, une fois que j'en ai trouvé, j'en avais trop. J'arrêtais pas de me faire pourrir. Après, au niveau des stations, je pense qu'il va falloir que je vois pour... j'en ai une qui fait des photopiles. C'est une ressource de base qui ne demande pas de composants, de ressources supplémentaires. Ce qui serait intéressant, c'est que j'arrive à créer une nouvelle station qui, par contre, commence à faire des éléments supérieurs, de catégorie supérieure. Qui demande des ressources. Alors, mon QG, c'est ce qu'il fait, hein, avec de l'eau, de la glace, etc. Mais j'aimerais bien un truc un peu plus progressif pour bien sentir ça, bien comprendre cette partie de gestion du jeu. Alors après, l'idéal, c'est que j'arrive à avoir mon propre circuit. Dans le sens où... quelque chose qui se construit à partir du minerai. Donc peut-être juste une raffinerie. Idée, est-ce que je pourrais faire une raffinerie? Entrée dans grand échange 1. Ah, je suis chez moi là. Ah, on voit le gros transporteur là. On va pas tarder à arriver. Ma station, je sais pas si vous avez vu, on avait vu toute cette partie là. Bon, là ça c'est à peu près équilibré. Bon, à part le fait que je dois acheter de la glace, parce que sinon, genre, pour moi, j'en ramasse pas assez. Et après, voilà, il fait son petit bonhomme de chemin pour le reste. Et donc, j'ai une force de travail intéressante. Alors, après, maintenant, après. Cette ressource de force de travail, il faut peut-être que je regarde ça sur une autre station pour m'en inspirer, pour savoir si je pourrais l'exploiter pour une catégorie au-dessus, genre raffinerie, quai de marchandises. Ce serait sympa d'avoir son propre quai de marchandises. Ah, il y a aussi dans les vidéos, j'avais vu, alors, c'est un truc que j'ai pas trop géré pour l'instant, c'est les ressources de stockage. Alors, attendez, je vais mettre en pause pour aller voir ça. Je suis en train de penser. Pour chacune des ressources, selon la capacité de stockage, ouais, il y a un stockage automatique. Mais on peut rééquilibrer si j'enlève ça. Je peux dire, bah, tu me stockes que de temps. Pour cette ressource, pour être sûr de laisser de la place pour le reste.
Pour l'instant, je l'ai mis en tout en automatique. Mais ça pourrait être un souci, finalement. Ça, ouais. J'en ai tellement que je peux peut-être en demander moins. Il y a des, voilà, il y a des petites options de d'ajustement. Ça, c'est des ressources que moi j'ai déposé moi-même. On peut ajuster. Voilà, on peut ajuster le stockage pour éviter de se retrouver avec une ressource, on n'arrive plus à la stocker. Donc si on n'arrive pas à la stocker, on n'arrive pas à produire telle ou telle chose. Donc ça peut être un problème que j'aurais à un moment donné parce que je n'aurais pas bien géré. Fortune de Nobileo. Mais c'est des... Super autoroute. Un peu des notions Fortune avancées. De je préfère essayer de rester en automatique pour l'instant. Sinon, je vais me faire des nœuds au cerveau. J'aime assez la gestion, mais non pas non plus que ce soit trop poussé, parce que évidemment ça va. Entrée dans. Ça va me saouler. Fortune de Nobileo. 2. Voilà, ils ont fini. Attends, on va faire vite fait comme ça. Quoique je suis pas obligé de mettre en pause tout de suite. Tranche de silicium. On va mettre pause parce que sinon je vais pas y arriver. Je vais rater quelque chose entre temps. Alors ça c'est un truc que j'utilise comme je disais de plus en plus, hein, le fait de mettre en pause pour donner des ordres. Je trouve ça, on va dire, normal et pratique pour ce genre de jeu où finalement on fonctionne en temps réel. Mais pouvoir justement mettre une pause pour se laisser le temps de donner ses ordres, jouer sa stratégie quoi, tranquillement. Ouais, ça me va. Tout faire dans la précipitation des fois. Bon, c'est dans les combats aussi. Hein. Mais pause, on en met de côté, à droite, à gauche. On se positionne et après on retourne au jeu. Oula, il me fait traverser carrément les astéroïdes. On est où? Nopi, il est où? Station. La pellicule verte. On va faire une petite sauvegarde. On va se retaper la route si on a un bon raté. On va se mettre quoi, à 20 km?
le freinage avec les petits, c'est plus agréable qu'avec les gros, parce qu'avec les gros, faut anticiper un peu plus. Hein. Le cargo devrait être là bientôt. Vous aurez besoin d'attacher les mines au port de transfert du cargo. Espérons que vous ne serez pas détecté. Ok. Ça veut dire quoi? Alors attends, on va se regarder. Mission terminée. Ah, attends, fais voir. Voilà, on a fini l'autre. Super. Donc, au niveau des vaisseaux, ici, tout cela, on va les réattribuer. Pas s'embêter, on va les mettre comme ça. Pilote, il va rentrer chez lui. Il faudrait que je mette au minimum des vaisseaux moyens en défense. Les petits, au bout d'un moment, ça devient un peu léger. Même si ça peut être pratique, apparemment. On me disait, faut y aller, quoi, genre avoir une vingtaine. Donc bon, une vingtaine, on peut compter facilement 2 millions de petits vaisseaux, quand même. On en a pour moins cher. On peut en avoir pour moins cher, mais ça dépend comment on les équiper. Donc moi, je vais sauvegarder. Alors. Donc là, il nous disait quoi? On vérifie. Déployer bombe à l'endroit. Détonateur à distance. Putain, est-ce que j'ai ça? Oh putain, je sais plus si j'ai ça. J'y ai pas pensé moi, ce du détail. Attends, fais voir. Ça, c'est le genre de jeu où ils se préoccupent pas trop de ça. Hein. Savoir si vous avez bien tout ce qu'il faut. Détonateur à distance. Conteneur sécurisé, cristal instable. Attends, je note ça et je vais voir si je peux pas. Lanceur de bombe. Bon, j'ai sauvegardé. À Eiger, je vais voir. J'ai bien mon lanceur de bombes avec moi. Ça, j'ai déjà testé à un moment donné. On va voir ce que ça donne. Là, c'est une mission un peu plus scénarisée. Qui va bien tenir la position, lui. Bonjour. Tu bouges pas, hein. Arrête. Tu restes là, hein. Vous voyez, lanceur de bombe, c'est ce que j'ai en position 2. On va supposer que... C'est là qu'il faut le faire. Complexe de produits raffinés. Attends, c'est oui, c'est barre d'espace pour tirer. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour placer ces mines. Arrête. Je
Bonjour. Là, je découvre. Je l'ai fait, hein. Ah, ça m'embête. Comment ça se passe? Avec les données, je vois que le bug. Si on leur donne, ils vont dire. Avec une bombe pour Windows spatial, vous avez besoin de donateurs. Ok. J'ai bien lancé des bombes. J'ai déployé la bombe. Mais est-ce qu'il faut que je la fasse péter? C'est ce que j'ai testé, hein. Je vois pas ce qu'il faut faire, sinon. Bonjour. Par contre, je sais pas comment on fait péter une bombe. Ah, R. Je suis au maximum. Voilà, ça marche pas mieux. Je vais essayer. Ah. Il ferait mieux de partir d'ici. Nous nous occuperons de la détonation. Il est où mon vaisseau? Non. Youpi. Amarrage autorisé. Je comprends pas pourquoi la première il a pas. Maintenant, il suffit d'attendre et regarde. Envoie du signal de détonation à distance.
Revenez en formation. On a besoin de soutien, maintenant. Ok. Nouveau vaisseau. Maintenant que c'est fait, revenons à notre travail. Nous cherchons à obtenir des infos sur les cadres du pacte. Ce sont les personnes avec qui nous allons devoir négocier. Maintenant que nous avons montré nos muscles, ils écouteront sans doute plus facilement. Nous allons suivre un dirigeant. Vous allez attendre qu'une opportunité se dégage. Nous allons vous assigner un secteur à patrouiller. Si rien ne se montre, nous vous le ferons savoir. Ok. On va peut-être appeler notre flotte, du coup. Oula. Salutations. Ok, c'est cool. Bon, je vois comment je fais pour recharger mon armement. Il nous demande d'aller où? Waouh, ça pue. Ok. Minotaur. Oh, toi, tu vas aller là. Oliver. On va voir si ça marche. Et nous, on va le rejoindre là-bas. Ok, c'est parti. Je vais quand même sauvegarder cet état d'avancement. Oulélélélélé. Rien. Autoroute. Accélère. Ouais, je m'en doutais un petit peu, j'étais arrivé dans un angle qu'il fallait pas. Il est quand même plus mollo. Allez, vas-y. Oh là là. Il veut pas là. On va enlever ça, parce que des fois avec la souris, le fait de bouger un tout petit peu, ça me décroche, je crois. Pour rappel, pour diriger avec la souris ou pas, orienter, c'est Shift et barre d'espace. Il le rappelle en plein milieu de l'écran à chaque fois. Alors au niveau de la recherche, j'ai pas non plus... Beaucoup avancé. J'ai pas atteint, je vous montre vite fait. Je viens d'y penser. Vous voyez, au niveau, j'ai fait deux premiers niveaux de téléportation. Enfin, je m'occupe du troisième. C'est là où j'aurais voulu avoir un transporteur pour le faire. Un gros transporteur pour m'en occuper vraiment, quoi. Et puis après, on ira faire sûrement ce genre de choses. Parce que tout ce qui est piratage, pas trop mon. Super autoroute. Pas trop mon truc à prendre. Fortune de nos vidéos. 6. On va attendre d'avoir les sous tranquilles. Je ferai sûrement un très grand transporteur pour m'occuper de ça. Mais il faudrait que je lui attribue aussi quelques vaisseaux de défense pour pas le perdre cette fois. Ça coûte cher tout ça. Oh, ça coûte cher. Allez, vas-y. Genre de truc, si on fait pas gaffe, là j'ai des bons boucliers, mais si on n'a pas les bons boucliers, on doit pouvoir se cracher assez facilement quand même.
Douceur. Attends, j'avais fait un truc, c'est parce que ça va vite quand même. Ils ont fini ou pas? Il a fini. Je vais voir le 5 sur le 5. On va laisser finir. Ok, on va pouvoir donner les ordres pour les autres. Hop. Regardez, je peux faire ça aussi. On va le faire ce coup-ci. Mais j'évite de trop en donner. Parce que si j'ai besoin d'eux à un moment, sans pour autant devoir annuler les ordres que j'ai déjà donnés, c'est bien de pouvoir... J'ai fait le premier ou pas? Sans annuler, voilà, qu'il aille quand même... assez vite s'occuper de l'ordre qu'on vient de faire quoi. Alors oui, j'ai dû faire 1, 2, 3. Ok. 4. Ouais, c'est le genre de truc, si j'avais un gros transporteur, je ferais le tranche de silicium moins un coup quoi. Et puis basta quoi. Mais bon, faudrait ouais, au moins deux transports de moyens au niveau des attaques, voire 4, c'est comme si on tombe sur 2 en face, ouais. C'est à peine si je les ai quoi. Non, je les ai même, c'est pas à peine que je les ai pas. Enfin, en bêta. Bien séparer les deux. Voilà, faudrait que je m'en fasse un quatrième, c'est un premier truc que je vais faire. Bah, le quatrième c'est moi. Et si j'en ai 4, c'est moi le quatrième. Parce que j'ai pris le contrôle, il a quitté la formation. Mais vous avez vu, hein, comment j'ai fait pour associer... alors, je sais pas si c'est la 330 qui permet ça, ou si c'est juste que je l'avais pas vu au tout début. Je sais pas si c'est la mise à jour qui permet de constituer mes flottes. Ou pas. Vision sacrée. Parce que je sais qu'au début, j'y arrivais pas. Mais est-ce que c'est juste que j'ai pas vu? C'est pas impossible. Parce que là, comme ça... Pff. Pour l'instant, c'est très bien. Le transfert d'équipage, c'est très bien aussi. Vous entrez dans le système. Véritable vision. Le MATS, c'est vraiment l'accélérateur, ça j'utilise quasiment jamais. J'ai essayé d'utiliser justement dans la mission que je vous disais avec le combat là où je tue des xénons parce qu'ils bougeaient pas beaucoup, donc j'ai accéléré à un moment donné pour voir un peu comment ça allait se passer. Et... Vous entrez dans sinon, le ça j'utilise jamais parce que pour voyager. Second contact. Donc, ça suffit ça. Parce que quand j'avais essayé le 3 par contre, c'est un truc que j'utilisais sans arrêt parce qu'on n'avançait pas pour aller à un vaisseau. Mais maintenant avec le mode voyage rapide, vous entrez dans le système. C'est tranquille. C'est tranquille. Non, franchement, le 4, je pense qu'il est bien plus accessible. Par contre, il est assez gourmand. Et à voir pour installer sur un SSD. Hein, parce que... Vous entrez dans le système. Les sauvegardes et chargements, c'est un peu long. Choix d'Atikva. Alors, choix d'Atikva, ça va être là où on avait les rouges, là, au fond. Là.
Il est où mon objectif? Ah, je dois patrouiller. Attends. Je dois patrouiller où et est-ce que ma flotte est là? Elle n'est pas encore arrivée, hein. Ah si, elle arrive. En fait, c'est quoi on va faire? Téléporter vers. Voilà. Minotaur. Avant-garde. Très bien. Et le 11, ah bah voilà, et le 11 il a repris sa place d'avant. On a bien tous nos copains ici. J'espère qu'il va pouvoir passer. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai un peu peur là. Était censé prendre des photopiles. Plateforme Argon. Vas-y. Oh là là. C'est un peu plus long, du coup il s'est encore fait exploser le transporteur. Je m'étais chié dans mon voyage. Ils sont bien là et ils bloquent le passage. C'est compliqué. Je vais faire une tentative comme je fais habituellement à la mano. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc là, j'ai mis tous mes vaisseaux de combat qui sont stationnaires ici. Le transporteur qui va être à côté aussi en stationnaire. Et moi, je vais filer dedans. Donc, je sauvegarde et je file dedans, voir ce que je peux faire. Le problème, c'est qu'il y a deux destroyers. Je suis pas sûr de pouvoir m'en occuper d'un tout en ayant un deuxième à côté. Bon, on va faire une tentative. Allez, on fonce dans le tas. On fonce dans le tas, non, on fonce pas dans le tas, toi. Mais bon, on va essayer de s'en choper, hein. Vous
Vous entrez dans le système. Choix d'Attica. K. Se mettre derrière, au cul. En fait, là, ce qui est emmerdant, je suis en train de m'apercevoir. Attends. C'est quoi ça? Ouais, c'est sur l'alternateur, ok. Je vais en mettre une partie sur. Pour viser. Et l'autre, il va être juste en défense. Défense. Ouais, ça pue. Pas qui me tire. Ouais. C'est bien ce que je craignais, c'est qu'il y a trop d'escortes autour. Est-ce que je vais pouvoir défendre? Oh non. Allez. Je viens de recharger la partie. J'ai fait une tentative qui était pas trop mal, que je n'ai pas enregistrée malheureusement. Donc je vais essayer de vous la remontrer. Donc dans l'idée, ça va être d'éliminer l'escorte qui pose problème. Donc, on va faire pause. Attends de le faire. Ici, on balance tout le monde. Ouais, le portail, donc ça c'est le point de sortie. Il y avait un troisième tout à l'heure. Il y en avait qui était sorti par là. Non. Ah, attends. Supprimer. Ah, ok. On va faire. Attaquer lui. On va aller là. À la sortie, on va attaquer lui. Lui. Attaquer. Et une fois qu'ils ont attaqué tout ça, je les renvoie ici. Nous. Là. Au niveau des ordres, je vais dire d'attaquer. Tu vas partir en recyclage. Oh. Alors, on va essayer de le choper. J'asphère mes armes anti-tourelles. Voilà. Normalement, il doit rester. Alors, si on regarde ici, donc on n'a plus rien. Ici, il en reste un de l'autre côté. J'espère que ça va se passer aussi bien que l'autre fois. M, vous entrez dans le système.
Voilà. Choix d'Atikva. Ah oui, je les contrôle pas, c'est moi qui tire, c'est automatique. Ok, attends, je m'épose. Contrôle la situation. Donc moi, c'est lui que je veux éliminer. J'espère que mes gars vont avoir le temps de partir. Allez, vas-y, vas-y. Hop. Ah, c'est qu'il est parti en vitesse rapide. Tout à l'heure, il était resté. C'est marrant, ça. Est-ce qu'il se barre et change le système? Ah oui. Alors. On va enlever ce guidage, on s'en fiche. Les gars, les miens, ils sont en train de partir. Nous. Arrêtez le guidage. Donc, là, dans le principe. Alors, j'ai refait une sauvegarde. Par rapport à. Là où on en est, nous. Alors là, je suis complètement sorti du contexte de la mission. Hein. J'en prends une autre. Alors, dans l'idée, si je veux choper les gros, comme je disais, faut que j'aille me mettre derrière. Faut bien viser. En attente des ordres. Oh là 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 là. Voilà, la première étape, c'est vraiment arriver. Ah, attends. Là, il est en mode... Oui, attaque massive. Ok, c'est normal. Donc, là. Shift X pour mettre la même vitesse. On va essayer de reculer doucement pour choper les tourelles de l'arrière. On va peut-être pouvoir utiliser... Hop. Voilà, on profite de la pause. On attend des ordres. Allez, hop. Attends, on a assez de puissance. Maintenant, j'arrive pas à sélectionner. Ah, c'est qu'il l'a déjà eu. Ok. Il est à fond. Ici, normalement, il y a un petit... Il y a un petit bouclier là-haut. Putain, il y a l'autre qui me tire dessus. C'est là où je vous disais que ça va être chaud. Ah, il y a l'autre qui est revenu là-bas. Il va me faire chier. Je sais pas comment je vais faire. Allez. Tiens. On essaye. Hop là. Ça va pas le faire.
avant. Bon, de retour. On va faire quelque chose, on va changer ce que... Finalement, l'autre, il est effectivement revenu nous embêter. Je vais voir si je peux... Sans qu'il se fasse exploser... Positionner ma flotte... Ici. Est-ce qu'ils peuvent arriver à l'intercepter pour que moi, je puisse m'occuper... Tranquillement... Des deux autres. Par le haut. Car. Voilà. J'ai vu passer un. Ah, c'est lui. Et oui, du coup, ils se font choper. Ouais. En attente des ordres. En attente des ordres. Non, ça va s'en sortir ou pas? Bon, si on s'en voudrait dire, faudrait pas les envoyer là. Donc, nous, on va essayer de se positionner derrière. On peut espérer que je les occupe suffisamment. Bouclier. Alors je faisais ça avant avec un petit vaisseau léger, c'était la cata. Alors, a priori je me fais pas toucher, je vois mon bouclier qui reste. Allez, vas-y, vas-y. C'est bien que j'arrive à l'immobiliser. Attends, qu'est-ce qu'il fait? J'en vois un à moi, là. Drone de défense? Et qui est le drone de défense? Ah, il y en a un rouge là. Le mec, s'il s'occupe de lui.
Allez, attends. Et une fois qu'ils auront fini ça, qu'ils partent là-bas. Mettons. Ah, c'est long. Voilà. Oui, j'en ai enlevé un. Alors là, à ce moment-là, normalement, je sauvegarde. Bon, je me pose pour vous. Voilà. C'est chaud. Allez, par contre, allez. Là, là, c'est chaud. Là. Et bien l'autre qui m'a... Wouhou ! Normalement, comme je disais, voilà, ici. Voilà, ça c'est un petit truc. Donc quand je le sélectionne, détruire les tourelles de graviton. Là. On va mettre pause. En plus j'avance un tout petit peu, faire gaffe, c'est vraiment utiliser le shift X pour se mettre. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ça a l'air d'aller. J'espère que je vais avoir de l'aide bientôt, ça serait sympa. Et descendre. Ça va être long comme ça. Oulou. Ah ouais, je me suis fait toucher, mais grave là. Une des astuces à ce moment-là. Oh, c'est chiant, c'est long. Est-ce que je peux rester comme ça? Parce que normalement, faut que je sorte du vaisseau, quoi, et que je me répare moi-même. Attends, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il accepte? Il est où? Il est en réparateur. Défoncer mes boucliers. Ah non, c'est le troisième. Ça répare doucement, mais ça répare. Attends, regarde où sont les autres vaisseaux. Ah, ils sont l'un dans l'autre. C'est quoi? Un transporteur, ok. Mes vaisseaux, ils sont partis là-bas. Je crois pas avoir de perte. Un, deux, trois. Ah, je vois pas le 4. Merde. Non, non. Dans le journal, je vois pas le 4. Bon, bah écoute, c'est qui lui? Il est toujours en fuite, lui. Oh là là, mais casse-toi, quoi. Attends, c'est le 6. Alors, il y a quoi comme ordre? Vous voulez attendre où?
Ok. Ça va être long. Mais c'est long et laborieux de réparer un... Enfin, de détruire un destroyer. Ouf. Attends. On prend de sérieux dégâts. Oui. Je crois que ça va être raté. Oh, game over. Ah bah voilà. Là j'en suis dans cet essai, ce énième essai. Lui, j'ai réussi à l'immobiliser, j'ai réussi à fuir par le portail, j'ai lancé la construction d'un vaisseau, un destroyer Teladien ici. Ici. Voilà. Donc là, 10 minutes. Donc après avoir fui, du coup, je suis revenu. Ici, je suis passé à fond par le portail. J'ai attendu que le deuxième vaisseau s'écarte du premier. Et là, du coup, je viens de réussir à l'immobiliser. Donc on va voir ce que ça donne ensuite. J'ai changé de tactique, là j'ai décidé de l'attaquer directement, c'est-à-dire là je lui pète son bouclier pour l'instant. Et maintenant j'attaque la coque, mais comme vous allez pouvoir voir, c'est pas très efficace. Pendant que j'étais en train de m'acharner sur mon destroyer, en fait l'autre qui était immobilisé s'est fait détruire par un autre destroyer paranide qu'on voit en violet en haut. Voilà, chose faite. Par contre, j'ai été aidé quand même par d'autres vaisseaux du coin, en bleu, des Argons.
Pendant que je m'occupais des destroyers, j'ai dû occuper mon vaisseau transporteur en le faisant se balader à côté avant qu'il retourne à sa tâche de base, par défaut. Avant-garde. Voilà, après une longue période, il m'a fallu plusieurs heures pour y arriver. Donc, mon vaisseau transporteur pour qui j'ai fait ça peut enfin circuler tranquillement, sans se faire pourrir. J'ai finalement quand même lancé la construction au cas où de mon premier destroyer, mais Teladien, pour qu'il soit en défensif. Et dès que je peux, j'en fais un argon pour l'offensif. Donc là, on va aller s'occuper de là-bas. C'est quoi ça? Alligator. Ok. Minéral. P. C'est nous. P. Là, j'ai mon escorte qui arrive. Nous, on va rester à côté de là. Il est déjà tard au moment où je termine. Moi, je termine, je fais ça. Donc, je reprendrai la suite de l'enregistrement un peu plus tard, parce que du coup cet épisode aurait été compliqué. Je m'attendais pas à ça. Donc, je vais rester dans le coin. Laisser mon transporteur faire son boulot là, tranquillement. Alligator. Ça, ouais, je suis négatif avec eux, mais j'y touche pas. 15 pour l'instant, ça va. Je sais pas si je pourrais améliorer. Je me rends pas compte quelle race il s'agit. Parce que là, ouais, je pourrais rebalancer tout le monde là-dessus. Aspire le vide. J'essaie de voir ça. Alors, je vais sauvegarder un dernier petit coup maintenant que c'est fait. Ça, ici, je vais passer, attaquer mon ennemi. Portail, P. Pour détruire les destroyers, hein. J'ai pas été tout seul. Hein. Vous voyez, en haut à gauche, il y en a un paragon, un destroyer paragon. Donc ça, c'est pas
C'est moi, ce que mon boulot a été de les immobiliser. C'est vrai qu'à ce moment-là, souvent, ça aide quand même vachement les autres pour le finir. Hop. On va choper lui. Ça sera bon pour ce soir. Je crois qu'il est là. Non, là. On se remet en mode défense. Phoenix. Yes. Voilà. Mon premier destroyer. Bon, je l'ai pas équipé au maximum. Hein. Je verrai plus tard. Au niveau des boucliers, j'avais mis bien. Je me suis pas renseigné non plus sur ce qu'il fallait que je mette plutôt comme matos sur eux. Je fais au feeling. Mais bon, là c'est cool, c'est bien. On a débarrassé ce portail des deux. Albatros. Sentinelle. Stomios. Minéral. Quelques soucis. Hein. Parce que là, ils ont fait mal hein, quand même. Ils ont détruit pas mal de choses ici. Hein. Je pense que ça fait mal. Ça fait du bien. Bon, Bali. Hop, moi j'arrête là. Et on se retrouve pour la suite. On continue la mission au prochain coup. Je verrai peut-être au montage. Je sais pas si je coupe maintenant ou pas. Mais en tout cas, c'était mission punitive ce coup-ci. C'était quand même compliqué. Elle est bien bavée. Hein. Mais voilà, là c'est la première fois que j'en avais deux comme ça. Jusqu'à présent j'en faisais un, ça allait. Mais deux. Et je peux pas le faire tout seul. Là j'ai vu que j'ai réussi avec ma canonnière à lui baisser son bouclier. En patientant ça va. Mais pour sa coque ça va pas. Donc c'est pour ça que faut que j'ai du monde en plus derrière. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis à bientôt pour la suite. Ciao bye bye.